Mesdames, je suis très heureux de pouvoir m'introduire chez vous, dans votre salon, grâce au truchement des caméras, bien sûr, et d'avoir l'opportunité de vous offrir, avec la complicité de mes excellents musiciens et musiciennes, un bouquet de mélodies de Noël. J'espère de tout cœur que ces musiques qui ont bercé notre enfance vous combleront, vous aussi, de doux souvenirs heureux. Le plus beau des Noëls est sans contredit celui qui habite le cœur d'un enfant, car pour lui, c'est synonyme de magie, de féerie et d'émerveillement. Pour les tout-petits, le Père Noël qui descend du ciel avec son traîneau rempli de cadeaux, eh bien, pour l'enfant, c'est tout simplement magique. J'ai alors demandé à mon arrangeur et chef d'orchestre s'il était possible de transposer la magie en notes de musique. Il m'a répondu « Laisse-moi essayer », et voici ce que ça a donné. Maestro. Thank you.
Dans la prochaine pièce, messieurs, dames, ça dit « Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes ». Alors, lorsque je joue ce morceau, je m'inspire de ces paroles et j'essaie de reproduire tout au long de la pièce le son des clochettes avec mon piano. Ça donne à peu près ceci. Maestro. Oui, le plus beau de Noël est bien celui qui habite le cœur d'un enfant. Et l'adulte que je suis devenu a laissé une grande place à ce cœur d'enfant qui bat toujours tout au fond de moi. Et je crois, messieurs, dames, que je ne cesserai jamais de m'émerveiller devant la beauté sous toutes ses formes. Cependant, les années passant, je pense que ces moments enchanteurs et magiques du temps des fêtes de notre enfance se transforment, petit à petit, en générosité avec les cadeaux que nous offrons, en réjouissance avec les gens que nous recevons, mais aussi en recueillement. Maestro. Thank you.
Mais ce dame, en 1992, à l'enregistrement de mon premier disque de Noël, j'ai osé composer un air du temps des fêtes. Cette pièce a bien tourné à l'époque à la radio et il m'arrive encore de l'entendre dans les centres commerciaux lorsque je fais mon shopping du temps des fêtes et ça me fait toujours tout drôle. Peut-être allez-vous la reconnaître. Elle s'intitule tout simplement « Oui, c'est Noël ». Messieurs, dames, je n'ai jamais eu la prétention d'être un vrai chanteur. Mais pour m'amuser, il m'arrive parfois de pousser la chansonnette lors de réceptions ou même de certains spectacles lorsque je me sens à l'aise. Et lorsque j'ose le faire, eh bien, c'est celle-ci que je chante. Pour vous. Just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas.
this of what? But I have a blue Christmas. Vas-y, mon Pedro. Excusez-la. Messieurs, dames, pour terminer, un des plus grands classiques de Noël, Vive le vent. Cette pièce a été enregistrée de mille et une façons différentes. Et je cherchais une manière originale et bien à moi de la faire. Et à un moment donné, je me suis retrouvé en studio et après l'avoir essayé dans différents styles, je me suis mis à la jouer en boogie-woogie. Mes musiciens se sont mis à trouver ça bien intéressant, puis ils m'ont même dit, « Richard, tu devrais la faire comme ça sur ton disque. » Bien, j'étais un petit peu réticent au départ, mais ils m'ont fait comprendre que le boogie-woogie était un peu comme le heavy metal de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Paraît-il que c'était péché de se trimousser sur cette musique endiablée, m'a-t-on dit. Et pour les plus jeunes, quand il y a du rythme, ça leur plaît. Alors, ils m'ont convaincu. Voici Vive le vent, Jingle Bell, Boogie Woogie Rag.
Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette émission. Ai-je besoin de vous dire que ce fut une merveilleuse opportunité pour moi de pouvoir vous offrir ces quelques moments privilégiés de quiétude et de joie. J'aimerais remercier Céline Sans Façon de Givre Design pour ses magnifiques décorations. Permettez-moi également de remercier très chaleureusement les dirigeants de Télémag d'avoir accepté de réaliser et diffuser cette émission spéciale et de m'avoir donné l'opportunité de m'introduire dans vos demeures, chez vous, grâce à leur superbe équipe. Je me joins à eux, ainsi qu'à mes musiciens et musiciennes, pour vous transmettre nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères, et vous souhaiter, malgré le confinement que nous vivons, quelques moments de joie pour ce temps des fêtes bien spéciales. Et j'espère de tout cœur, messieurs, dames, que l'année 21 sera bien différente que celle que nous vivons actuellement et qu'elle sera à la grandeur de nos espoirs. J'ose vous dire à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par Givre Design pour une ambiance féerique.